There's been a revolution in the West African nation of Burkina Faso. The French-backed president, Kampore, has been kicked out by his people, replaced by a transitional council. The president and the prime minister are arriving now. This is one of the first times they've been seen in public since they took power. It's interesting to see what kind of reaction they're going to get. On this week's In Focus, we find out whether the revolution is still on track. In Ouagadougou's Place de la Révolution, one of the leaders of the revolution tells us what happened. Lorsque nous sommes arrivés à cette place et que nous avons vu qu'elle était inondée de monde, nous avions très vite compris que l'histoire pouvait se répéter au Burkina Faso et qu'un autre 3 janvier 1966 qui a vu donc la première insurrection populaire au Burkina se réaliser pouvait se répéter. On the 28th of October 2014, thousands of people took to the streets. The president of 27 years, Blaise Compaoré, was attempting to change the constitution to allow him to run again as leader. À la jeunesse qui était là, que nous devons nous prendre le relais et exécuter donc la mission qui était la nôtre. Et nous avons dit à la jeunesse que notre mission, c'était donc de faire partir Blaise Compaoré et qu'il fallait le faire. Et sur place, les manifestants ont adhéré donc à cette proposition. Et donc nous savions que la victoire était proche. It was the youth that had had enough. 27 years of de facto dictatorship had gone on too long. For 3 days, they stayed on the streets as panic gripped the government. Cette révolution, nous la rêvions, nous en rêvions. Nous voulions qu'elle arrive. Il ne pouvait pas être autrement d'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé en 27 ans. On sentait bien qu'à un moment donné ou un autre, il y aurait une issue favorable en prenant sur nous, en piétinant notre vie privée, parce qu'on n'avait plus de vie privée, on dormait peu, mais on savait que c'était une question de compte à rebours, puisque l'année 2015 approchait à grands pas, et il nous fallait absolument miser tout sur cette année-là pour y arriver. Some paid with their lives, under circumstances still unclear. Their deaths only served to invigorate the protest. The army backed off, refusing to fire. The people were winning. Then on the 30th of October, the crowds marched to Parliament and to the television headquarters. La présidence a fait appeler pour dire qu'il faut faire un flash d'information, breaking news, pour dire que le président du Faso retire le projet de loi du vote de l'Assemblée nationale. Et moi, j'étais là, directeur de la télévision, en train de mettre en place ce dispositif pour que les gens essaient de faire le breaking news et puis dire que ça n'allait plus marcher. Mais les gens étaient déjà dans la rue. Ils étaient déjà dans la cour de la télévision. Au moment où on partait, il y a un leader de parti politique qui est de l'opposition, plus un jeune d'un mouvement de la société civile qui sont venus qu'eux, ils veulent faire une déclaration. J'ai dit, mais moi, directeur de télé, je suis soumis à des astreintes, c'est-à-dire que j'ai des responsables. Il faut que je les contacte pour voir. Ils ont dit non, 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 il faut qu'on parle. Il faut savoir que la station de télévision a toujours été pour les États africains, malheureusement, et on comprend pourquoi, à cause des coups d'État, un élément central de la prise de pouvoir. Lorsque vous voulez renverser un régime, la première des choses, on nous l'a toujours appris, ça s'est passé comme ça avec tous les coups d'État ici au Burkina Faso, on récupère la radio nationale et la télévision nationale. Le moyen de communiquer avec le public pour faire passer les messages et ramener le calme ou au contraire ramener le public avec vous. Quitte dehors, venez rentrer parler. Je vais assumer ça comment. Et donc j'ai demandé de faire couper les choses. Et comme il y avait du monde, les techniciens ont fui.
Et quand ils ont fui, ils ont sorti, les équipements sont là, mais il n'y a pas de technicien. Ils ont dit qu'ils veulent parler, ils sont montés sur le plateau. J'ai dit, mais allez-y. Comme je savais qu'ils ne peuvent plus. Et j'ai demandé de couper les centres émetteurs. On a coupé. Et ils n'ont pas pu, ils ont commencé à s'énerver. Et comme il y avait du monde, les gens ont commencé à taper. Ah non, 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 à la télé, on ne veut pas qu'on parle, c'est la télé du peuple, ainsi de suite. Ils ont commencé à taper. Quand ils ont commencé à taper, j'ai demandé au personnel de se retirer. Parce qu'on ne peut plus discuter avec ça. La foule, j'ai rarement vu ça. C'était beaucoup. Donc nous, on est sortis. Et comme les présentateurs étaient connus, j'ai demandé aux présentateurs de se cacher. Parce que c'est eux qu'on connaît d'abord. Ça a commencé il y a bien longtemps de ça. Il y a des reporters de la télévision nationale qui ont failli être tabassés à maintes reprises devant nous. On a été obligé d'intervenir pour qu'ils puissent prendre la poudre d'escampette. Il y en a un, lui, il a vraiment été tabassé. Les étudiants ont même récupéré sa caméra. Donc on s'en souvient, ça c'était il y a 2 ans. Donc effectivement, il y a cette haine-là qu'on avait vis-à-vis de ce que représente la télévision nationale, les intérêts du pouvoir. After the TV station, they moved on to the parliament and to the house of the president's brother, one of his key advisors and known as one of the most corrupt in the government. By the standards of any country, this house is opulent. Not a bad swimming pool to have on your roof. And it's not hard to figure out what happened here. The night the government fell and Blaise Campore fled the country, revolutionaries came here and trashed and looted this house. La nouvelle depuis longtemps que c'est ici. Bon, ils envoient des enfants, ils attrapent des gens, ils viennent, ils égorgent, ils tuent en bas là-bas. Donc nous, les 31, on a voulu rentrer ici. Bon, devant sa porte, il y avait des gardes présidentiels qui tiraient sur les gens. En même temps, dans une heure de temps, nous, on a pris assaut ici. Donc les militaires sont partis, ils ont dégagé tout leur bagage. Nous, on est venus, bon, le reste qui est là, nous, on a saccagé. Et maintenant, on a cassé. Là, ils tuaient les gens ici. Ils égorgeaient. Bon, ils attrapent un enfant. Ils font des sacrifices, quoi. Sacrifices. Ils envoient des gens, l'armée comme ça. Si un enfant passe, on attrape, on amène ici. On l'égorge. Il y avait un fétiche ici. Un fétiche. Mais comment, pourquoi il fait ça? Bon, c'est pour protéger le pouvoir. Bon. Comme selon moi, c'est pour faire endormir le peuple. Pour que le peuple ne se. Vous voyez? Vous sentez l'odeur? C'est un signe. I could smell it. The unmistakable smell of decomposing flesh. It's impossible to verify whether these stories of witchcraft are true, but most people here believe it, or at least acknowledge that the stories are possible. With the help of the former colonial power France, Blaise Campore fled the country in a helicopter. The army then stepped in. Mais écoutez, nous étions, certains de nos militants ont même pleuré. Il y a des vidéos qui circulent sur le net, ça veut dire, c'est dire que nous étions ravis d'y être arrivés. Moi, j'ai toujours dit, le problème du peuple burkinabé, c'est qu'il n'a jamais connu de victoire. Depuis 1966, date à laquelle il y a eu une première insurrection populaire. La révolution des 30 et 31 octobre 2014 est l'épilogue, le couronnement d'une résistance de notre peuple qui a pris sa racine, sa source, depuis le 15 octobre 1987, avec l'assassinat du président Thomas Sankara. Un peu comme Thomas Sankara is a hero in Burkina Faso. He ruled the country from 1983 to 87. He alleviated poverty, made major strides in developing the nation, and took on the powerful French interests. He is known as the African Che Guevara. With the help of the French, Blaise Campore killed him and took power. That was 27 years ago. Since then, anger has continued to increase against Campore's rule. About 16 years ago, the journalist Norbe Zongo was investigating the death of Blaise Campore's brother's chauffeur. During the investigation, Norbe Zongo was ruthlessly murdered. Now, nobody has been charged with his murder, but the people
You seem to know who did it. Manuel Zongo, c'est un journaliste d'investigation qui enquêtait sur la mort du chauffeur du petit frère de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. RSPU, c'est le régiment de la sécurité présidentielle. Et Norbert Zongo enquêtait sur sa mort. A shrine has been set up for Zongo. The flame will not go out until justice is done. Pourquoi ça piétinait? C'était une volonté politique. Parce que le petit frère du président, François Compaoré, moi je vais le citer aujourd'hui, c'est lui le commanditaire de la mort de Norbert Zongo. Des avocats et des magistrats, dont je ne connais pas le nom, qui ont émargé. Qui ont émargé pour empêcher que le dossier aille de l'avant. Et la preuve est tout de suite, comment ça s'appelle encore, Adama Sayon qui voulait être ministre. Comment tu peux oser piétiner le dossier d'un émérite journaliste comme Norbert Zongo, un fils de ce pays, et vouloir être ministre dans ce pays-là? Le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres et nous n'allons jamais accepter. Protesters targeted specific buildings and it's not hard to find the damage done by the revolution here in central Ouagadougou. Now the people have gone home. But is this the end of the revolution or merely the beginning? Nous disons que nous avons gagné une étape importante qui est le départ de Blaise Compaoré. La deuxième étape aussi, nous l'avons gagnée. C'est la mise en place des institutions de la transition, c'est la sécurisation du pays. Mais il y a une étape fondamentale que nous attendons de gagner pour que la révolution soit totale. C'est la refondation de la démocratie burkinabé et la remise du pouvoir à un président démocratiquement élu. A ceremony for the martyrs of the revolution at the Place de la Révolution. The square is packed. Also invited, the who's who of the new power in the country, including a host of European ambassadors. The president and the prime minister are arriving now. This is one of the first times they've been seen in public since they took power. It's interesting to see what kind of reaction they're going to get. Due to international pressure, the army, under Lieutenant Colonel Isaac Zida, passed power to a transitional civilian government led by Michel Kafando. Zida remains as second in command. Maintenant, le choix de Kafando ne nous est pas particulièrement... Parce que le problème, beaucoup de les jeunes, je parle avec beaucoup de les jeunes, ils disent, ouais, j'aime Kafando, j'aime Zida, ils sont le révolutionnaire comme Sankara. Beaucoup de les jeunes, ils pensent ça. Mais sachant raison garder, je ne vois pas en quoi Kafando ou Zida seraient révolutionnaires. Pour l'instant, c'est le peuple qui s'est battu. Kafando, on va dire que c'est plutôt l'armée qui lui a remis le pouvoir. Smokey, a celebrated rapper as well as a protest leader, is at the ceremony. It is not supposed to be a political event, but instead a mourning of the dead. But inevitably, the event is also an opportunity for people to be seen. The new president, by his very presence, gives his support for the revolution. Many see him as a revolutionary himself, but others are skeptical. Maintenant, il y a le jeu de pouvoir qui se met en place, et les mêmes mots créant les mêmes remèdes. Il se trouve que aujourd'hui, il y a encore des éléments de la 4e République qui sont présents et bien présents et qui espèrent non pas s'en sortir, mais revenir aux affaires, comme on dit. Voilà pourquoi il faut continuer de maintenir cette cellule de veille, de sentinelle. Il faut rester garder à l'esprit que nous sommes des gardiens de cette démocratie. In downtown Ouagadougou, we paid a visit to the International Monetary Fund. Essentially the organization that advises the government on how Western countries want Burkina Faso to run its economy. We filmed secretly. Is it difficult, more difficult than the government, isn't it? It's for you. No, I mean, what happened, the fact was for me, we had a mission in town when the, I don't know what you call that, revolution, yeah, whatever, civil unrest happened.
For security reasons, it was a mission for the second review of the program. The program we have for 1 year, less than 1 year, so it was the second review, everything was business as usual, meeting, blah, 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 technocratic. And then we had these events. Mm-hmm. So for security reasons, but for security reasons only, we had to evacuate. The IMF had previously praised Blaise Campore as a model student of IMF reforms. Under the former president and IMF advice, the country privatized much of its industry, often selling to French companies. So that's why I'm saying, we'll see. I cannot speak in their name, sure. But I doubt there will be a drastic change. Probably fine-tuning, probably. Yes, that's very likely. It was deriving from this big conference we had that included the NGOs and the civil society and so on. And the same people that are now in power, I don't think there will be any drastic change. Yeah, okay. But I will know much more on Wednesday. He told us that he had a meeting with the new president the very next day. Comment est-ce que vraiment en particulier s'exprime vraiment ce... Vous parliez d'une relation de dominé à dominant. Cette coopération biaisée s'explique par le fait que le Burkina Faso, malgré son potentiel de richesse, est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Après nous, vous avez 5 ou 6 pays où il y a la guerre. Mais on dit que nous sommes indépendants. Cela explique tout simplement qu'il y a la fuite de l'ensemble de nos richesses, principalement vers la France. C'est ça, la domination. Elle est aussi même culturelle. Elle n'est pas seulement économique, elle est même culturelle. Donc il faut avoir une rupture. C'est pourquoi je parle d'un développement alternatif, parce qu'il faut changer à la base les fondamentaux. En ayant le courage de dire, bon, c'est bien, c'est notre histoire, la France nous a colonisés, aujourd'hui c'est fini. Today, a French Special Forces soldier was killed on a training flight here in Burkina Faso. A reminder that the French use this country as a base for their special forces all around West Africa. Nous avons des accords militaires avec la France, des bases de l'armée française sont installés au Burkina Faso. Je ne sais pas si on appelle ça un pays qui est libre. Voilà pourquoi la France est très très active à travers son ambassade pour essayer de sauver l'essentiel. Anger at the French isn't hard to find on the streets, not least as it was the French who transported their former ally out of the country and are refusing to give him back to face justice. Mais Compaoré est parti. Mais il faut retenir que Compaoré a les mains tachées de sang et que des procédures judiciaires doivent s'ouvrir contre Blaise Compaoré et les dignitaires de son régime. Ce qui veut dire qu'il va falloir l'extrader. Et c'est sûr et certain que, comme le général de Gaulle l'avait dit, la France n'a que des intérêts et non des amis. Lorsque nous combattions Blaise Compaoré, nous avions sans doute le soutien du peuple burkinabé, mais nous n'avions pas un soutien clair du gouvernement français. Parce que le gouvernement français considérait donc Blaise Compaoré comme une pièce maîtresse de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Alors que nous disons que c'est le maintien de Blaise Compaoré par la force qui aurait pu créer les conditions d'instabilité dans ce pays-là. La position de la France est très ambiguë, concrètement. Officiellement, très... oui, nous préservons les droits humains, nous sommes d'accord avec la révolte du peuple burkinabé, mais en même temps, la France n'a rien fait pour. C'est ça aussi la vérité, c'est cela la vérité. Depuis les années de la décolonisation jusqu'à aujourd'hui, a toujours joué simplement le jeu des intérêts et de ses propres intérêts, comme toutes les nations. There is now a new power struggle going on in the country. The army, politicians and the French are all involved. There is a real danger that the country will merely swap one corrupt dictator for another, and that the French and the IMF
will continue to hold the real power. Meanwhile, the people revel in their achievements so far. On s'inspire, on a vu aussi ce qui s'est passé en Amérique latine. On a vu comment le puissant voisin américain a été obligé de regarder les peuples s'émanciper. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir comment la puissante France coloniale a été obligée de suivre la population burkinabé. Et nous pensons que dans tous les autres pays... In neighboring Togo, protesters have been inspired by events in Burkina Faso. They have hit the streets demanding an end to their president's rule. In other African countries, anger at corrupt rulers who refuse to leave is increasing. Obama, François Hollande, Angela Merkel, David Cameron, nous vous demandons que vous souteniez le peuple africain parce que nous sommes prêts maintenant à combattre pour que nos ancêtres sachent que nous sommes des nouveaux générations. Et nous voulons la liberté totale. Nous voulons la liberté totale. Parce que nos présidents pillent trop nos ressources. Ils pillent l'argent que vous nous envoyez, les aides, des milliards que vous investissez en Afrique pour les infrastructures. Ils pillent ça, ils mettent dans leur poche. Et nous, les peuples, on suivre moins de 1 dollar. Je dis moins de 1 dollar. Donc notre révolution est un message tant à la communauté sous-régionale qu'à la communauté internationale en général pour dire qu'ils doivent écouter la volonté des populations à la base et non la volonté des gouvernants. Parce que si on écoute uniquement la volonté des gouvernants, non seulement on crée les conditions de l'instabilité. Le président Sankara nous a enseigné que l'esclave qui sépare assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ce sont les pays africains qui prennent l'exemple du Burkina Faso. Donc, nous sommes simplement fiers d'avoir offert à la face du monde et particulièrement à l'Afrique un exemple de combat contre la dictature. Across the continent, which remains the poorest on earth, there is a feeling that this revolution could mark the beginning of an African spring. Neighboring leaders and their Western backers are worried. Nous aider en Afrique pour que nous aussi on reste chez nous. Tout le temps, les Européens crient que les migrations, tout ça, ça dépend, ça vient de nos chefs d'État. Parce que si on est bien payé à 100 000 francs CFA, on va aller chercher quoi en Europe encore. Si on travaille, on prend nos congés, nous aussi on peut profiter d'aller en Europe. Faire une séjour, une petite séjour, puis on revient. Et on ne va pas vouloir s'installer. Notre soutien total va donc à cette jeunesse-là, aussi bien aux autres jeunesses africaines qui se préparent aussi à mener ce combat-là. C'est pas un combat facile. Ce n'est pas un combat qu'on gagne en deux jours. On dit que la révolution du Burkina s'est passée en 48 heures, mais c'est une révolution qui a été préparée depuis très longtemps. Et donc, dans les autres pays aussi, nous leur souhaitons donc du courage. A revolution has succeeded in the West African nation of Burkina Faso. Cette révolution est inachevée, mais déjà la prise de conscience du peuple. De pouvoir savoir à un moment donné qu'il ne faut pas attendre que ce soit la France qui vous dise si votre président part ou pas. On this week's In Focus, we take a look at the French role in the country and why the Burkinabé are looking for inspiration from one of their former presidents. The exact circumstances of what happened that day are still unknown. All we do know is that President Sankara and 12 of his ministers and colleagues were all ruthlessly murdered together. On the outskirts of the capital, Ouagadougou, sits a very ordinary cemetery. But in it lies one of the world's most extraordinary men.
the grave of Thomas Sankara, surrounded by 12 of his ministers killed while by his side. Sankara ruled the West African states of Burkina Faso between 1983 and 87. In that time, he became a legend, celebrated now across the continent as the African Che Guevara. He was killed by his childhood friend and French-backed Blaise Campore, who took power for himself and ruled for 27 years. In 2014, Campore was finally kicked out of office by his people, who chanted Sankara's name on the streets. The exact circumstances of what happened that day are still unknown. All we do know is that President Sankara and 12 of his ministers and colleagues were all ruthlessly murdered together. Here on his tomb, which has very recently been repainted, it says the 27th anniversary, 27 years almost to the day that he was killed. And I've been here for a while, and all day there's people coming here to pay their respects. C'est quelqu'un qui était un homme droit. Et il a voulu travailler pour le peuple. Il voulait le développement de son pays. Il s'est sacrifié pour son pays. Et donc, c'est très important pour nous. Tout le monde adorait Sankara. Au Burkina Faso, en Afrique, tout le monde adorait Sankara. Parce que le président Sankara était le président, comme lui le disait, des pauvres. Mais il était le président d'hommes fiers, dignes, intègres, qui voulaient manger à la sueur de leur front. Et Sankara était venu avec des formules simples pour développer son pays. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Sankara renamed his country Burkina Faso, meaning land of the incorruptible man, even writing a new national anthem. He was one of the first leaders in the world to champion women's rights and banned female genital mutilation. Women hold up half the sky, he said. L'éducation, Sankara a fait passer les chiffres du simple au double. Au niveau de la santé, Sankara a fait en sorte que tous les pauvres avaient accès au système de santé. En matière d'infrastructure, c'est Sankara qui a été le premier à ouvrir des routes dans toutes les provinces de toute l'Afrique, a eu l'aura qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Il était en avance sur son temps. One of Sankara's ideas to develop his country was to build a train line to neighboring countries. He called it the Battle of the Railway. The idea to solve unemployment and to build a transport network was to encourage, demand almost, people of Burkina Faso to join together to build this railway. Dans les années 90, il dit il faut privatiser le chemin de fer. Le groupe Bolloré qui a repris. Il a carrément abandonné le transport des hommes parce que c'est pas rentable, entre guillemets. Mais avant, nous avions au moins 4 trains par jour qui quittaient Ouaga pour Bobo et Bobo et vice-versa. Nowadays, there's only 2 trains a week and hardly anybody uses them. What started out as a grand idea for development has become a stark symbol of decay. La privatisation est intervenue sur les injonctions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les gens n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est comme ça. Ils ont donné quand un pays voulait un prêt, l'acceptation des conditions
l'acceptation du prêt là, il fallait accepter d'aller aux privatisations. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Sankara angered Western leaders, particularly the former colonialist power, France, by trying to encourage African leaders to join together in not paying the mountains of debt owed to Western countries. Il a encouragé aux gens à consommer ce qu'ils produisent pour pouvoir vraiment se développer. Parce que, bon, on nous a poussé à nous endetter et encore, actuellement, on voit, on s'est endetté et on a pris ces dettes-là même mangées au lieu de développer le pays. Under Blaise Compaoré, Burkina Faso was known as a model country by the International Monetary Fund. Essentially, they followed entirely Western advice on how to run their economy. Oui, oui, c'est moi, je t'écoute. Quelle heure? 16h45, c'est ça? 4h45. D'accord. Ok, ben d'accord. J'y serai. Merci. À tout de suite. Donc en fait, donc il veut me voir. Le ministre veut me voir à 4h45. Donc il faudrait qu'on ait fini à 4h30. I put to Michel Lahan that the IMF had not always given the right advice to countries. Peut-être qu'il y a une époque où le Fonds monétaire était mal vu parce qu'il était peut-être plus intransigeant. Je pense que si au Burkina, on a toujours eu, quels que soient les ministres, de bonne entente avec le gouvernement, c'est parce qu'on a essayé, en tout cas ces dernières années, de toujours adapter nos politiques au mieux des volontés du pays. Je ne vois pas comment un gouvernement, quel qu'il soit, refuserait d'avoir une croissance plus inclusive, d'avoir moins de pauvres et d'essayer d'être émergent demain. Donc si vous n'acceptez pas, il n'y a pas de prêt. Vous bradez les usines, vous bradez votre patrimoine national afin de pouvoir avoir les prêts. Nous avons estimé que non, on ne peut pas développer un pays comme ça si nous bradons nos patrimoines. The new Burkina Faso government now says it will re-examine the mining contracts in the country. Un code minier doit satisfaire deux choses. Il doit d'une part faire en sorte qu'un investisseur privé étranger soit intéressé pour investir dans le pays, qu'il soit certain de retrouver une partie de son investissement, de faire un profit minimum, etc., sans pour autant que le minier, l'investisseur en question, prenne l'ensemble de la rente minière. Il faut qu'il y ait un... Monsieur Lahan didn't tell us what the IMF would be advising, but they are unlikely to demand Western companies pay more. Ce que la Banque mondiale veut, ce que la France veut, ce que le Fonds monétaire international veut, le pouvoir de Blaise Compaoré accepte. C'est pourquoi ils l'ont nommé un des meilleurs élèves du Fonds monétaire et de la Banque mondiale en Afrique. Mais c'est contre nos intérêts, c'est contre les intérêts de notre pays. Ouais. Donc c'est tout cela qui fait que bon, pendant 20 ans, on a lutté contre. Mais qu'est-ce que justement ce capitalisme libéral vraiment à outrance a donné? C'est qu'il y a une petite minorité de bandits qui récupèrent tout, de tout le peuple. Ils amassent pour eux seuls. Donc, en quelque sorte, 5% des gens s'en sortent avec le bien de tout le monde. Sankara antagonized the French by attempting to speak to them as equals. Then, months before his death, at a conference of African leaders, he famously prophesied his own death. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin. Lui, il traitait avec la Russie, avec Kadhafi, qui était aussi un gauchiste. Donc,
Alors, donc la France, qui a toujours été un capitaliste, ne pouvait pas. Quand le président était passé, le président français, qui était à l'époque François Mitterrand, quand il est passé, quand on a entendu le discours que Sankara a tenu à Mitterrand ce jour-là, bon, on se disait, il a signé un peu sa lettre de mort et il allait mourir tôt ou tard. Et on allait décider de le tuer d'une façon ou d'une autre. Et il m'avait dit personnellement de laisser l'autre là, il va nous tuer. Et les gens vont parler de ce que nous on a fait demain. Donc je savais très bien qu'on voulait le tuer. Et il était question de profiter de n'importe quel moment pour le buter. Known as the Lion, Bukhari was sent to another town, Kudugu, when it happened. Vers les 19h, mon téléphone intérieur, dès qu'il prend, il dit « Allô Bukhari », je dis « Où est Thomas ?» Il me dit « Ah, Thomas est mort ». J'ai crié de le tuer. Je dis « Quoi ?» Il me dit « Non, vous ne voulez pas le tuer ». J'ai envoyé l'arrêter, il y a eu beaucoup de tirs, il y a eu beaucoup de cadavres. Moi, j'ai perdu beaucoup de mes éléments. Lui, il a perdu beaucoup de ses éléments. Et finalement, lui, il est mort. Je dis, mais envoyé arrêter qui? Toi, tu as envoyé arrêter qui? C'est Thomas le président. C'est lui qui est le chef. Il me dit que lui, il souffrait. Tu souffrais quoi? Je lui dis, mais tu as pu le tuer. On the 15th of October 1987, Sankara and 12 of his colleagues were murdered on the orders of Blaise Compaoré with the backing of the French government. Tu n'as qu'à gérer, si tu as pu le tuer, c'est toi seul qui sais pourquoi tu l'as tué. Tu n'as qu'à prendre ton pouvoir, tu vas gérer. Moi maintenant, je deviens un militant simple. Je suis à la base. Je suis. Si le peuple suit, moi je suis derrière, je suis. Mais si le peuple se met debout et s'oppose, je serai devant. Sankara est mort. Dans tout le Burkina, on ne peut pas vous montrer un étage pour dire voilà l'immeuble de Sankara. Il a laissé une guitare, il a laissé un vélo, et il a laissé une vieille voiture, il a laissé une maison où il payait toujours par mois, location-vente. Je ne sais pas si vous comprenez. Un président africain qui est mort dans ces conditions, ce n'est pas comme les autres présidents africains quand ils arrivent au pouvoir. Un mois après, ils ont des châteaux, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, aux États-Unis. Vu comment lui, il se sacrifiait, il voulait le développement de son pays, je me suis dit certainement que le camp de l'autre parti a dû, c'est eux qui ont dû le tuer. Parce que lui, il voulait que le Burkinabé reste intègre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont donné le nom Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. Et maintenant, si nous voyons après lui ce que c'est devenu, ça veut dire que c'est l'autre camp qui a gagné. On the 31st of October 2014, after 27 years, Compaoré's rule finally came to an end. After decades of protest, when Compaoré tried to change the constitution, which would allow him to stand again for office, the people had finally had enough. Compaoré escaped by helicopter with the help of his old allies, the French. Blaise ne doit pas être surpris. Il ne doit pas, dans les derniers développements, alors Blaise, il doit se rappeler exactement ce que je lui avais dit en 87, le 15 octobre au soir, vers les 19h. Le peuple étant debout, Blaise a commencé à me voir un peu devant. Mais je dis, techniquement là, si les gens ils disent que Blaise, la chute de Blaise, ça a été une surprise pour le Lion, je dis non. Parce que depuis, tel que ça a été dit, depuis 87, moi je l'ai toujours préparé dans ce sens. On the streets of Ouagadougou, there is now relative calm. Bon, je commence d'abord par le... Celui-là, c'est le capitaine Thomas Sankara. Et ça, c'est Mandela. Ça, c'est Che Guevara. Ça, c'est Obama. Ça, c'est Fidel Castro. Ça, c'est Lumumba. Et ça, c'est Michel Kafando, le dernier, tout nouveau président de Burkina Faso. Mais c'est bizarre, Barack Obama est là, non? Il est un révolutionnaire ou quoi?
Non, bon, on est classé, mais on va les forcer de devenir révolutionnaires. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le début même, ça marchait comme ceci. Puisque le début, on croyait que nous, on a gagné un président africain qui est en Europe, États-Unis. Bon. Donc, on le croyait fort, fort. C'est qui vendre le mieux? Le mieux pour le moment, c'est Sankara. Ensuite, c'est le nouveau président. Pourquoi Sankara, vous pensez? Alors parce que Sankara, c'est un grand, c'est pas petit, c'est un grand. Parce qu'on peut dire qu'il n'est pas mort. Hein? Sankara, il est vivant. Il est vivant. Mais c'est pas au Burkina ici, hein? Toute l'Afrique. Hein? Je peux même dire au monde entier. The new leaders of the country, President Kafando and Prime Minister Zito, are using the words of Sankara. But as yet, it remains to be seen whether these words will be turned into action. The IMF and Western governments currently seem happy enough with the new regime. One of the people's demands is to exhume the body of Sankara. In the office of Prosper, a lawyer in charge of obtaining permission to exhume his body, familiar pictures sit proudly. Déjà, ça permettra de savoir. S'il y est, ben, au moins il y aura la première autopsie officielle qui puisse être faite pour certifier qu'il a été effectivement abattu. Hein, et dans quelles circonstances, on aura déjà une avancée sur ces informations-là. Maintenant, il restera à savoir qui a ordonné et qui a exécuté. Pour nous, au niveau de la famille, c'est tellement important de le savoir, d'autant plus que celui-là même, qui est parti, à savoir donc Blaise, ce n'était personne d'autre qu'un autre fils et frère de la famille. C'était quelqu'un de la famille. Donc pour nous, quand il y a eu le 15 octobre, c'était une double perte. Perte du frère, du fils, perte d'un autre frère et fils aussi, en même temps. Blaise Campore is now in exile in neighboring Ivory Coast. There are demands that the French and the Ivory Coast extradite him back to Burkina Faso. Les parents ne l'ont pas compris, ils ne l'ont jamais accepté. Que ce soit un accident, comme on le disait, que ce soit, je ne sais pas, la main des grandes puissances, mais que ce soit lui, Blaise, qui faisait parmi... I asked Prosper why France was so keen to see an end of Sankara as well. Je pense que tout simplement parce qu'il gênait. Il était l'incarnation de ces nouveaux dirigeants africains qui osaient s'ériger contre le système mondial impérialiste france-africain, qui osaient dire la vérité, qui osaient poser des actes qui allaient dans le sens, à mon sens, contre les intérêts de certaines puissances étrangères. Et je pense qu'au regard de ce qu'il constitue comme une menace pour certaines puissances, il n'était pas bon que Thomas Sankara puisse survivre pendant longtemps pour la jeunesse africaine. Parce que imaginez, Sankara a fait 4 années de pouvoir au Burkina. En 4 années, remarquez l'impact qu'il a eu sur la jeunesse au Burkina. S'il avait fait 27 ans de règne comme Blaise Compaoré, qu'est-ce que ça aurait pu être? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, en général, et la jeunesse burkinabé en particulier, aurait un autre état d'esprit peut-être. Nous serions dans une autre façon de voir le monde, une autre façon de voir notre développement. Et ça, je crois que vous pouvez comprendre que tout le système impérialiste mondial ne le voulait pas. The damage from the 2014 revolution can still be seen on the streets of Ouagadougou. But as well as looking forward, people are determined to set right their country's history and to fight for justice for the last 27 years. Les gens vont déterrer pour voir si vraiment c'est lui. Si c'est lui, on lui rendra les hommages qu'il faut. Tant que Compaoré était là, on ne pouvait pas rendre les hommages nécessaires. Cette révolution est inachevée. Mais déjà la prise de conscience du peuple, de pouvoir savoir à un moment donné qu'il ne faut pas attendre que ce soit la France qui vous dise si votre président part ou pas, et que ce soit vous qui décidez de le faire partir quand vous en avez marre, c'est un début. Mais ce début est encourageant, mais bien sûr, la jeunesse doit comprendre que ça ne s'arrête pas là si on veut une véritable révolution. Elle doit aller plus loin, elle doit être plus profonde pour qu'il y ait un changement radical
qu'il appartenait à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et toutes les institutions de Bretton Woods de décider de comment nous allons diriger nos pays, de comment nous allons nous développer. Je pense que si nous comprenons cela, ben nous sommes sur le bon chemin. Back at Sankara's grave, tourists continue to pay their respects. Sankara, Sankara, Sankara. Sankara, Sankara, mon président. Gardez-vous à la mémoire de Thomas Sankara, président du Burkina Faso, sauvagement assassiné en 1987. Il est tombé sous les balles assassines de son meilleur ami, capitaine Blaise Compaoré, un 15 octobre. Voilà. Nous, Burkinabés, Africains, nous ne pouvons pas oublier Thomas Sankara. I'm here to see, because I would like to bring many people to come here to visit the tomb of Thomas Sankara, because they have to keep it in memory, you know. I will bring my students here, 200, more than 200, to visit the tomb of Thomas Sankara, because last year I've tried, because it's at, but it has not been possible. They refused to give me the permission. Under Blaise Compaoré, school trips to Sankara's tomb were effectively banned. The government tried to repress his memory. Why do you think he did refuse? I think he refused because they don't want everybody to know who was Thomas Sankara and who is Thomas Sankara in the mind of the young people of Burkina Faso. Mais je pense qu'il y a déjà des Sankara, ceux qui sont sortis dans la rue, hein, les 30 et 31, ces jeunes qui sont allés contre Blaise Compaoré et qui ont affronté des militaires, qui sont même morts pour certains, mais c'est déjà des Sankara. Parce qu'il faut comprendre que dans l'esprit de l'image de Sankara, c'est tous ceux qui se remettent, hein, qui osent se dresser contre le système. Et je pense qu'en cela, chaque jeune Burkinabé qui a déjà la compréhension du message que Sankara a envoyé, et pris de paix et de justice et de liberté, envoie au monde, sont tous des Sankara. So do you think there's going to be a renaissance, a rebirth of the ideas of Sankara now? Yes, 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 yes. The renaissance, the rebirth of the Sankarism. The Sankarism is what? Fight against injustice. Fight against corruption. But it is what Sankara was fighting against. So today, everybody is Sankara. And someone said that if you want to kill Sankara today, 100 Sankara will come again.